Dans un mois, c'est la quille, mon filou. C'est la quille. Malheur est tout de suite à donner. T'as pas eu la carrière que tu méritais. Mais bon, ça y est, c'est la fin. La semaine prochaine, direction en dehors. Je crois que je vais vous gâter pour mon pot de départ. Mais ça va me coûter un pognon de mort. On a bien de la chance. Moi, j'en peux plus de faire le géranien. On va attendre combien de temps qu'il nous paye les heures sup? Entre les frais d'avocat et les factures de l'école d'art de Clémence, moi, je tiens pas. Enfin, c'est ta fille, merde. T'investis dans son avenir, là, quand même. Ouais, je sais bien. Mais regarde, elle est super douée, ta fille. Elle faut pas que tu la lâches, hein. Elle a du talent. Moi aussi, je voulais faire une école d'art. Mais quand tu viens de la DAS, bah, t'as pas les mêmes cartes en main. Maintenant, je pratique l'art au quotidien. Mais plus dans l'expression corporelle. Regarde, putain, le divorce, il en finit pas. Si t'as continué comme ça, moi, je vais te bouger devant la baraque. Bon, tu passes un mauvais moment, là. Ça va s'arranger. Demain, c'est renfort. Prime de 100 balles à la clé. Bim. Ouais, enfin, demain, c'est surtout l'anniversaire de maman, hein. Ouais, tu sens pas obligé de me le rappeler, hein. Ça va, il y a pas si longtemps, tu l'appelais Madiken. Ouais. Ouais, c'est pas le surnom que je lui donne en ce moment. Les bonnes femmes, elles sont là, elles sont chiées. Quand elles sont pas là, c'est encore pire. Enfin bref, du coup, demain avec Kathleen, je vais en ville pour lui acheter un cadeau. Je te demande pas si tu veux participer, hein. Ouh, c'est pour le propre de la mer. Ouais. J'ai déjà dit que je voulais pas que t'ailles dans le centre-ville sans moi. Ta copine Kathleen, je la sens pas, elle est pas de notre monde. Non mais c'est vrai, vous avez vu ce que disent les oiseaux en ce moment? Moi j'ai pas confiance, demain on va se prendre ça de front. Bon bah c'est pas tout. Et moi je vais aller me pioter. Faut que je sois en forme demain pour aller mettre le Kébourg. Oh, petit joueur. Et puis si le brigadier des chefs est aussi en forme que la semaine dernière, bah putain ça promet. Ouais. Chef. Oui, chef. Bon allez les gars, salut. À demain turbain, Rodrigue. À demain. On passera pas un peu contre la fille. Ouais. Il va falloir d'abord séduire le père. Hein. Bon alors, vous êtes combien dans ta tête ce matin? Tu verras quand t'auras mon âge. Pas drôle. Poursuis les cadeaux de ta mère. On ira ce soir quand je rentre du boulot. Compris? Chef, oui, chef. Alors, comme ça, on n'écoute pas son papa? De toute façon, il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui. Hein. Petite souris. Et ton projet, t'en es où? Ah non, moi, on me parle pas. Hein. J'ai à peine fini le croquis. J'aurais jamais fini pour lundi. Et puis, genre, monsieur Bretot, hyper exigeant. C'est clair. La liberté, tu parles d'un thème. On va rien trouver en une semaine. Et sinon, pour ta maman, t'as trouvé quoi? Ouais. C'est quoi? Non mais Clem, c'est quoi ce truc? Sérieux, c'est quoi? Non mais pour ta mère, t'as rien trouvé de mieux? Ah, ça va. Ce sera plus qu'un pins pour elle. Je suis sûre qu'elle va adorer. En parlant de Claire, le collègue de ton papa? Ah bah rien. Non, pas moi. Allez, raconte. Bon, c'est vrai qu'il est plutôt mignon, mais... Ouais. Bah, disons que son petit côté bad boys avec ses tatouages et tout ça. Ouh, Clem et crack. Oh, ça va. Bon, j'y vais, moi. A plus. Bah non, mais Clem, attends. Attends. Tadam. Mais c'est pour le projet. Taré. C'est pour le projet. Et tu veux faire quoi avec si. Ça? Vas-y, mets-le. Non. Mais si, pour le projet Monsieur Bretot. Monsieur Bretot, il veut voir genre de la liberté. On va lui en montrer. Mais ça va pas bien, toi. Hein. Si, allez, ça va être super. En plus de ça, je m'assure une note d'enfer avec ces trucs. Mais c'est hyper dangereux. T'imagines, ouais. On se fait choper. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive, deux filles comme nous? Allez, viens. Bon, allez. Allez, viens, Clem. On va s'amuser. Et c'est vraiment parce que c'est toi, hein. Oui. T'imagines, je croise le collègue de mon père. Oh la honte. Ça, c'est bien, ça. Oh non, la honte. Ah, non, mais ça, c'est la classe. Non, ça, c'est la in. Ça, c'est la mode.
Samedi est une nouvelle fois marquée par les manifestations de gilets jaunes un peu partout en France, 22e semaine consécutive avec un rassemblement massif à Paris, le secteur des Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'il y avait encore cette con? Que tu souhaites un bon anniversaire. Ma puce, on décolle. On va chercher le cadeau d'anniversaire pour ta maman. Thank you.